on a rajouté. Moi, j'ai pas trop d'autres choses. Si, deux en admiration donc, de celle que disait Caroline, donc, qui suggérait plus de connaissances sur le Vietnam, des indications sur l'histoire, sur les gens, sur ce qui se passe, et sur la façon de vivre en étant ouvert et sur les traditions. Mais moi, j'ai beaucoup aimé découvrir les ethnies, même si on a du mal à discuter avec eux parce que nous, on ne connaît pas ni le vietnamien ni la langue de l'ethnie. Mais bon, ça, c'est comme ça. Et puis sur Hanoï, des bonnes indications ou des bons plans. Hein. Quels bons plans on pourrait avoir à Hanoï? Parce que comme on veut parfois faire quelques achats ou trouver des affaires ici ou là qu'on ne trouve pas facilement en France ou de la même manière en France, et là on aimerait avoir quelques bons plans sur Hanoï. Des bons plans d'achat bien sûr et des bons plans de visite pour la journée ou les deux journées qu'on passe à Hanoï dans les instants libres qui nous sont donnés ou qui sont des instants libres mais en fait qui sont des instants de liberté.